de l'Europe au XXe siècle. Et ça, c'est la décolonisation. Des fiches pour chaque période historique. Elle l'indique à Cédine, passera son épreuve d'histoire, le baccalauréat, un examen qui stresse le jeune homme de 20 ans. C'est un diplôme qui va me permettre de m'ouvrir des portes pour mon futur. J'aimerais aller jusqu'à un bac plus 5 en gestion de concession automobile. Comme Tassédine, ils sont une trentaine de candidats à être venus chercher un soutien dans leur révision. À la médiathèque du Canal, ils reçoivent un coaching personnalisé dans ces derniers instants. Ils sont beaucoup demandeurs de la méthodologie et de la gestion du temps, en fait, comment gérer leur temps sur les 4 heures d'épreuve et aussi quel choix stratégique mettre en place quand on est bloqué. Leur donner des outils pour arriver à mémoriser toutes les connaissances qu'on leur demande d'acquérir sur la période du bac. Tout ce qui est gestion éventuelle des émotions, du stress, de l'anxiété, de la surprise face à un sujet qui nous déstabilise. Savoir apprendre, de savoir travailler, en fait, il n'y a pas que les connaissances. Et le coaching scolaire permet, entre autres, permet ça. 17 juin, top départ de 6 jours d'épreuve. Les résultats sont attendus le 5 juillet prochain. En 2018, 86% des candidats de l'Académie de Versailles ont obtenu le précieux sésame.